Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, une nouvelle fois, on se retrouve sur une vidéo sur un match de ouf. Les pires, mon alliance contre les War, les WAR. Vous le voyez sur le papier, on a l'avantage de la puissance. Mais avant cela, les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez même à droite sur l'overlay. Donc, comme vous le voyez, petit avantage, même plutôt gros avantage d'un demi-million de puissance, un demi-milliard, 500 millions de puissance pour nous. Au nombre de membres, c'est aussi un avantage chez nous. Donc, sur le papier, c'était plutôt bien parti. On est à 3 minutes avant le début du match. Je vais cette fois vous faire un résumé du match, hein, puisqu'il a duré 45 minutes. Vous allez voir les meilleurs moments. On va tout de suite plonger dans la bataille après les premières minutes de jeu. Vous allez le voir, on est donc à 43 minutes de jeu, c'est-à-dire ça fait que à peine une minute que ça a commencé et on se retrouve sur l'endroit stratégique, le milieu de la partie. J'ai été très très vite, j'ai directement acheté les boosts, je vous conseille de le faire, ça coûte 500 corium pour 15 secondes. Hein. J'en ai mis 3 dès le départ pour bombarder et avoir le point 7 en premier, vous le voyez, j'étais le premier de mon alliance à avoir l'un des points du milieu, ce qui m'a permis de rentrer avant War, Andrux hein, notamment, mais pas que. Et on a raté les deux autres points, le point 8 et le point 9, mais le 7 était à nous. Donc on s'est posé dedans, je me suis posé, j'ai commencé à vouloir attaquer et je me suis dit, je vais peut-être pas attaquer tout de suite parce que je suis seul. Puis finalement, j'ai vu que les autres suivaient, du coup, je vais beaucoup plus lentement, dis donc, quand je n'ai plus le boost. Du coup, j'ai attaqué immédiatement, à peine arrivé, hein, je me suis fait sauter dessus par, vous le voyez, hein, par ceux qui étaient déjà en place. Ils renforcent bien, ils sont nous aussi, hein, je suis monté à 11 millions déjà. Vous allez le voir, grosse, grosse bagarre sur ce point 10. Pour le moment, on est à l'extérieur du point, 17 millions pour nous, 9 millions pour eux. Donc on est plutôt en position détente de le gagner. Mais ça renforce, ça quitte la base chez eux. Pour venir renforcer, bonne stratégie de leur part. Vous allez voir, hein, le point 8 et le point 9, ils sont non seulement arrivés en premier dessus, mais en plus, ils ont été très forts sur la fin. Regardez, 80,1 millions, 83 millions de leur côté face à 14 millions d'une autre. Donc clairement, sur le centre, ils nous pètent la bouche. Et au sud aussi, ils ont l'avantage. Il n'y a qu'au nord, sur le point où j'ai été, où on a l'avantage. Regardez, 10 millions, 6 millions à côté avec le compte, le deuxième joueur hein, qui est juste au sud, comme vous le voyez. Et c'est vraiment très équilibré. C'est assez étonnant. On a beau avoir 500 millions de puissance en plus, on se retrouve au centre en difficulté et au nord, vraiment c'est tendu, mais on devrait le prendre. Vous voyez, on arrive à l'équilibre. Là, on va renforcer nous de notre côté. Donc voilà, 12 millions, ça devrait le faire. On devrait prendre le point 10, mais le point 8, regardez, on l'a perdu. Normal, hein, 80 millions, ça veut dire que tous leurs plus gros joueurs ont été au centre et du coup, ils rushent et ils ont raison hein, avec un tel avantage. Ils rushent tout de suite sur le point 5. On a obtenu le point 9, donc pour le moment, en ce début de partie, hein, on est à 4 minutes après le début de la partie, on a sur le papier, encore une fois, l'avantage, mais ils déroulent, ils prennent le point 5 très facilement. C'est normal, ils nous ont explosé. Donc maintenant qu'on tient le point 10, moi, je vais utiliser l'astuce très simple de faire un retour rapide. Ça coûte 200 de quorum, tout le monde doit aller au milieu pour aider. Pour 200 de quorum, je peux retourner immédiatement à ma base de départ et c'est ce que je vais faire. Vous le voyez, hein, je viens de l'utiliser et ça me permet immédiatement de foncer sur le point 5, la base 5, puisque, et on repère donc du coup le point 10, puisqu'on est plusieurs à y aller, puisqu'il va falloir qu'on arrive à résister à cet assaut de plus de 80 millions. De puissance, c'est assez énorme. Ça montre l'organisation qu'ils ont en face. Est-ce qu'ils sont plus nombreux que nous à être présents? On le verra à la fin de la partie. Donc on fonce, on va sur le point 5 pour défendre. Vous le voyez, je peux, là, j'ai vu que je n'avais pas envoyé une troupe pleine. Donc je la rappelle, je perds du temps. Je ne suis pas encore bien rodé sur tout ça. Hein. Vous le voyez, je n'étais pas parti full.
Donc je re-rentre et je repars. Donc c'est vraiment dommage là. C'est une erreur sur les gros matchs comme ça coûte cher ce genre d'erreur. Et cette fois, je repars à l'attaque. On le voit comme on se réunit tous. Forcément, eh bien, on arrive à récupérer l'avantage. Mais vous allez le voir, hein, ils ne lâchent rien. 11 millions d'un côté, 12 millions pour eux. Donc ça fait quand même 25 millions. Nous là, on est à 24 millions. Donc très équilibré, même si on se réunit bien. Et en attendant, pendant que nous, on se déchire sur le point numéro 5, regardez, hein, le point 7, le point 9, ils l'ont récupéré. Ils vont pouvoir foncer sur le point 4 et le point 6. Vous voyez, le point 4, il clignote de nouveau. Enfin, c'est un combat de ouf. Le point 4, on est solide en défense, mais ça renforce bien, ça suit bien. Ils ont vraiment une très très bonne organisation. On s'est rapidement, en ce début de partie, 8 minutes depuis le début, fait déborder face à l'organisation, la qualité de l'organisation des War. Vraiment très très bien organisée la team. Moins puissant, moins de joueurs dans l'alliance et pourtant une organisation très très bien rodée. Donc on continue, je continue d'envoyer des troupes pendant toute la partie. Je savais que ça allait être une partie très difficile, donc ne pas hésiter à soigner, ne pas hésiter à utiliser des boosts si on peut se permettre. Au centre, on a réussi à ravoir assez de puissance pour attaquer ce centre, et vous le voyez, hein, ça renforce. On a toujours 18 plus 3, 21 millions en face, quand nous on est à 26, 27, 37 millions, 40 millions. Donc là, on renforce bien. On va, c'est vraiment là que tout se joue. En ce début de partie, sur ce point numéro 5, si on n'arrive pas à arrêter leur vague à plus de 80 millions, on n'arrivera pas à avancer. Mais le problème, c'est qu'on a tous été sur ce centre. Vous voyez, on monte à 79 millions, on va dépasser les 80 millions. On monte tous au centre sur ce bâtiment pour récupérer 5. Et de l'autre côté, ils ont déroulé sur le point 7, 4, 6, 9, comme vous le voyez. Donc ils se retrouvent à avoir la ceinture 7, 8, 9 entière et donc tous les boosts qui vont avec. On fait une nouvelle ellipse et on se retrouve un petit peu plus loin dans le match. On est à 30 minutes. Ça fait donc 15 minutes que le match a commencé. Vous le voyez, hein, on s'est fait déborder. Ils ont tous les points et on tente avec Funky As une percée au nord. Hein, et vous allez le voir, on a repris le 2, on a repris le 4, on a repris le 7 difficilement. Et donc on continue d'avancer. On rush de nouveau sur le point numéro 3 cette fois pour après tous aller ensemble sur le point numéro 5. Mais c'est loin d'être évident face à l'organisation et la qualité de la défense. Regardez, tous les points 1, 1, 1, 1 bleus et les de l'autre côté les gris, on se réunit bien. Mais regardez, on l'attaque, il y a déjà 41 millions en défense. Donc là où nous, on n'assure pas, c'est qu'on manque d'organisation dans l'attaque. Ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que eux, ils se réunissent autour du bâtiment et ils attaquent vraiment tous en même temps. Alors que nous, il y a quand même un petit peu de latence et on attaque souvent, trop souvent, un par un. Ce qui fait qu'on se fait bien dépouiller avant d'être renforcé. Donc vraiment, ça, c'est le point à améliorer, notre organisation, de bien nous regrouper pour attaquer tous en même temps. Regardez, hein, eux, ça continue de renforcer. On a beau monter, on a bon renforcé. Hein, ils sont très très présents. Alors là, on a toujours l'avantage en termes de puissance. Et même quand on regarde les types d'unités présentes dans le rallye, on a l'avantage. Mais regardez à droite, hein, les War, ça continue d'arriver continuellement. Et ils ont pris même le point numéro 2. Ils ont repris le 7 en parallèle. Alors que nous, on est obligé pour reprendre, vous voyez, le 2 malheureusement, pour reprendre les gros points comme ça, on est obligé de focus vraiment, de se focus tous dessus. Il aurait mieux fallu qu'on définisse un rôle à chacun et que chacun tienne sa ligne et surtout qu'on ait une grosse force de frappe. Regardez là, toute la carte presque est rouge, sauf le point 2 et 3 qui clignotent et qui vont peut-être rester bleus. On va le voir, mais en tout cas, toute la carte est rouge. Il mène 1 à 14, donc il nous dépouille. Il reste 28 minutes de combat, de match. Rien n'est fait, on a 74 millions face à 20 millions. Donc autant vous dire que cette balise, ce poste numéro 3, on va le récupérer. Normalement, hein, sauf renfort massif qui n'arrivera pas de leur côté. Mais après, et quand bien même, regardez, ça tient quand même. Hein, on a beau être 71 millions à 18 millions, ça tient, c'est long. Ils sont vraiment très très bons. Il va falloir qu'après avoir repris ce point numéro 3, j'ai zoomé parce que je trouve ça beau, cet effet de toutes les troupes réunies qui attaquent le poste. Hein, il va falloir qu'on rush
pour récupérer le point numéro 2 qu'on a perdu, car regardez, à présent ils l'ont et ils peuvent attaquer notre QG de combat, notre quartier général. Donc vraiment, il faut qu'on récupère au plus vite, c'est fait, le point numéro 2. Puis, vous voyez, retour rapide, bim, ça m'a coûté 200. Je renforce ma troupe, je l'enregistre et cette fois, je reste dans la base. Je regarde pour réparer, bien évidemment. Je reste dans la base, je répare, hein. Je claque un petit peu de quorum pour ça, de quorum pour ça. Je reste donc et j'attends leur attaque. Vous allez le voir, hein. Leur attaque. Et regardez, ils se réunissent tous devant, ils n'attaquent pas. Et ce qui, là où ils étaient très bons, c'est que non seulement ils se réunissent tous devant au lieu d'attaquer un par un, donc là, il y en a qui a fait l'erreur d'attaquer, mais en plus, quand nous, on essayait de faire la même chose, comme on manquait d'organisation, quand nous, on se réunissait pour la même chose, eh bien, eux, ils pensaient bien à nous attaquer. Les troupes qui stationnaient devant à attendre, eh bien, ils les attaquaient. C'était très judicieux de leur part. Donc là, ils attaquent. Ils comprennent tout de suite qu'ils ne vont pas réussir à prendre notre base. Beaucoup trop de puissance dedans. Ils sont à 7 millions. Regardez, il y a 81 millions, quasiment 82 millions à présent dedans. Aucune chance pour eux de la prendre. Donc, ils arrêtent le carnage. Et on va attaquer la base numéro 3 pour aller la reprendre. Il n'y a pas de choix de toute façon. Il faut reprendre tous les points un par un. Il reste à présent 26 minutes tout rond. Rien n'est fait à ce stade encore une fois. Vraiment, c'est très très chaud mais rien n'est fait. On a nos leaders qui continuent de donner des indications. Ils nous montrent les rapports, hein, des points. Il n'y a que 5 millions par exemple dans cet avant-poste numéro 2. Donc il faut le rusher. On y va tous, voyez tous les points. On y va tous pour tous les reprendre. On avance sur le 3 aussi pour le renforcer. On a avancé sur la ligne du sud, hein, 3, 6, 9. On lâche pas l'affaire, il est hors de question qu'on perde ce match, même si on est mené 4 à 11 pour le moment. Eh bien, on continue. Pour rappel, si je ne dis pas de bêtises, c'est eux, les War, qui nous ont provoqué, qui ont demandé le match, hein. C'est eux qui ont provoqué donc ce combat. Funky Ass continue de nous montrer ses espionnages, vous voyez. Hein. Là, on a décidé d'avancer en mode rouleau compresseur. On envoie tout le monde sur la même ligne. Et là, regardez, c'est là qu'on fait quelques erreurs. Par exemple, on vient de prendre le poste numéro 2. Il aurait fallu tout de suite définir est-ce qu'on va tous au nord ou tous au milieu. Et il n'y a pas de consigne qui est donnée. C'est parce qu'on manque d'organisation et d'expérience pour le moment sur les matchs de Galaxy contre la Galaxy. Donc tout le monde s'éparpille, certains au centre et d'autres au nord. Et regardez là, hein. Funky attaque et il tombe sur 40 millions de défense. Donc il n'aurait pas fallu qu'il attaque, parce qu'une fois qu'il a attaqué, eh bien, il va se faire dépouiller. Il faut tous se réunir comme eux le font, puis attaquer par la suite. C'est vraiment important ce tips que je vous donne. N'oubliez pas le petit icône, regardez à côté de ma troupe qui a 30 secondes. On a un petit icône, c'est celui-là, l'icône d'accélérateur. Vous cliquez dessus pour 500 de corium. Vous pouvez avoir 15 secondes de speed-up. C'est celui-là qu'il faut utiliser en début de partie. Hein. Donc prévoyez un petit peu de corium pour ça, hein, si ce n'est pour soigner. On se retrouve à présent à 10 minutes avant la fin du match. Regardez, on a récupéré un équilibre. 7 contre 8. On a quasiment toute la line du nord, un petit peu au sud. Mais le centre, hein, on n'arrive pas à tenir ce centre. Ils font le forcing. Et une fois qu'ils ont le centre, ils ont accès au poste 2 et au poste 3. Là où ils peuvent bien couper nos lignes d'attaque au nord et au sud. Donc c'est là que tout se joue à chaque fois. Ils l'ont bien compris, on l'a bien compris. Je suis arrivé, j'ai stationné, vous le voyez, pour justement attendre tout le monde et attaquer. Et je me suis fait immédiatement attaquer en stationnement. C'est ce que je vous disais. Hein. Eux, quand on stationne devant, ils n'attendent pas, ils attaquent immédiatement. On le voit, ils m'attaquent avec 17 millions, il y a encore 30 millions dedans. Autant dire qu'il y a 50 millions en défense. Donc, il faut vraiment tous se réunir en même temps et bien avoir une bonne coordination pour réussir à reprendre ce point. Vous le voyez à ce stade, ça clignote, le point 6 clignote, on a repris le point 2, il va falloir qu'on se réunisse pour attaquer justement le point 5 et dérouler le 5, puis le 8, puis le 11, il va falloir vraiment qu'on soit bon pour ça, même si on me renforce, ça ne sera pas avec cet assaut. On se retrouve un petit peu plus tard vers la fin de la partie, vous le voyez, il reste 2 minutes 15 secondes très précisément, et là à 2 minutes 15, la map est malheureusement entièrement rouge.
Donc là, ça va être un petit peu compliqué. Il reste 2 minutes de match. Il n'y a pas, vous voyez, hein, je suis vraiment low. J'ai hésité à réparer ou pas parce que j'étais vraiment low en troupe. J'avais quasiment plus rien. J'étais à poil à force de me faire dépouiller. À ce stade, il y avait deux solutions. Soit je soigne et on fait un assaut massif et on avance. Soit je finis avec ce qui me reste de troupes et je garde donc mes accélérateurs et mon corium pour le prochain match. J'ai décidé de le garder pour le prochain car voyant les consignes, on a bien évidemment tous décidé de se battre jusqu'au bout. Mais c'était compliqué, voire impossible à ce stade de revenir. Je vérifiais mes accélérateurs si c'était suffisamment large pour tout de même tout claquer et sacrifier. On a quand même attaqué pour résister au point 2 et au point 3. Il reste 1 minute et 15 secondes. Je regardais les dernières consignes et finalement, on a décidé de ne pas y aller. On a décidé d'attendre, de défendre et de faire ce qu'on pouvait sur cette dernière minute de combat. On va finir comme ça, essayer de récupérer le point 2, le point 3. À ce stade, on peut gagner. Vous savez, sur la dernière minute, il suffit que vous déroulez une belle attaque qui passe en rouleau sur tout le monde et que tout le monde prenne des speed-up. Vous pouvez récupérer suffisamment de points pour gagner sur la fin. Mais là, c'était malheureusement cuit pour tout le monde. Enfin, pour nous du moins, une grosse équipe en face de nous. Vous allez voir le score final. Les War, vraiment une organisation militaire de dingue. Franchement, ça faisait plaisir à voir une alliance avec ce niveau. Ils sont là pour attaquer notre QG. Évidemment, ils n'auront pas notre QG en 20 secondes. Mais si ça avait duré un quart d'heure de plus, peut-être aurait-il réussi à avoir notre base. En tout cas, on a bien tenu, on avait 84 millions en défense. On a tenu, on y a cru par moment, il reste 6 secondes. Mais ils étaient trop forts pour nous, mieux organisés. Plus nombreux ou pas, vous allez le savoir tout de suite. Regardons le résultat. On a donc, c'est 0, mais ça continue, perdu. Et non, regardez, on était 41, ils étaient 37. Ils étaient tout simplement 37, mais 37 plus puissants que nous. Encore une fois, bravo à eux, c'était un très très beau match et ils nous ont mis une bonne raclée. On a bien mangé nos dents, ils nous ont bien éclaté. Mais personnellement, j'ai beaucoup appris avec ce match et la prochaine fois, ça va se passer différemment. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour ce match de ouf contre les War. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy.